si Macron ne veut pas, nous on est là. Je sais pas, Edouard Philippe, il dégaine le 49-3, c'est normal, alors que la majorité de la population est contre ce projet de réforme des retraites, qui est régressif, qui défend les intérêts des plus riches, de manifester notre mécontentement, même un samedi soir. Il pensait qu'il n'y aurait pas de réaction, il va y avoir une réaction de la part de la population. C'est pas acceptable qu'en fait, aujourd'hui, plus de 2 mois après les mobilisations, les blocages, les grèves, alors que la population est encore majoritairement contre, il passe outre le débat parlementaire. C'est un peu tendu avec la police, là? Non, pour l'instant, ça va, mais... Enfin, je veux dire, le droit de manifester, on pourrait aboutir à ça. Plus de débat parlementaire, plus le droit de faire grève, plus le droit de manifester. On va leur montrer qu'en fait, on se couche pas, qu'on est bien droit dans nos bottes et qu'on demande le retrait de ce projet de loi. La manif n'a pas été déclarée et là, vous êtes... L'intersyndicale a appelé à cette manifestation et en fait, dans la semaine, elle avait déclaré auprès de la préfecture. Donc, il n'y a aucune raison d'être tendu. On exprime notre opinion. Attends, vous êtes menacé par la police, là. Aujourd'hui, de fait, l'annonce a été faite à 17h, mais dans la semaine, la préfecture était clairement avisée qu'il y aurait des rassemblements au moment de l'annonce du 49-3. Le 49-3 est passé, donc c'est fini, c'est terminé? Ben non, c'est le début et de la continuation de cette seconde manche. Voilà, ils sont acculés, c'est une crise de régime énorme. Ils font ça parce qu'ils n'ont plus aucune autre solution que de passer outre le débat parlementaire et la violence policière, mais la mobilisation, elle repartira de plus belle. Les manifs à ces dernières semaines, elles étaient plutôt faibles, ça a pas... le rapport de force n'était pas en votre faveur ces derniers temps. Bah, ce qui était un peu faible, c'est surtout les appels à la manifestation. Le 24 janvier, il y avait du monde, le 6 février, il y avait du monde. Et on a attendu le 20 février pour appeler une manifestation, maintenant le 31 mars, de la part de l'intersyndicale. C'est pour ça qu'au niveau de la base, des assemblées générales interprofessionnelles, des comités et commissions de secteur et de coordination, on a appelé directement à dire, le soir même où ça passera, partout en France, on manifestera. Si vous croyez encore, vous pensez que le gouvernement peut... On n'a pas le choix. Sinon, s'ils font passer ça, ils dégomment l'ensemble de nos conquis sociaux. Donc on va résister jusqu'au retrait, jusqu'à la victoire. Qu'est-ce qui pourrait faire que le 49-3 passe pas et que le projet passe pas? C'est trop tard, non? Bah non, c'est pas trop tard. Enfin, je veux dire, il y a encore des ressources dans plein d'entreprises, dans la jeunesse, pour construire un mouvement d'ensemble et une grève générale. Alors que la majorité de la population, depuis 2 mois, malgré le matraquage de B... Je suis désolé par le moment. Cassez-vous!
Ce soir devant l'Assemblée nationale, Édouard Philippe a décidé de passer avec le 49-3 pour sa réforme des retraites. Cette réforme des retraites, ça fait plusieurs mois qu'on est en lutte contre cette réforme injuste. Moi, personnellement, je travaille à la SNCF. J'ai fait plus d'une quarantaine de jours de grève contre cette réforme et c'est pas terminé. Ça ne sert à rien, le gouvernement a gagné. Pardon ? Ça ne sert à rien, le gouvernement a gagné. Le gouvernement, il n'a pas gagné là. Le gouvernement, il est bien embêté pour être obligé de faire ça un samedi soir. C'est la preuve de sa fébrilité. C'est la preuve qu'aujourd'hui, ils sont quand même bien gênés aux entournures. Dans 15 jours, ils ont les municipales. Ils savent qu'ils vont se prendre une déculottée. Ils ne pouvaient pas le faire après les municipales parce qu'ils n'auraient pas eu la légitimité pour le faire. Mais ils ne l'ont pas plus aujourd'hui. Il y a, autant de semaines de grève, un mouvement général dans le pays de rejet de cette réforme. Du point de vue même des sondages, ils ont perdu déjà. Donc là, c'est pathétique ce qui est en train de se passer. Mais il ne faut pas laisser passer. Du point de vue de l'opinion, ils ont perdu, mais là, le 49-3 va passer, la loi va passer. C'est une défaite pour les syndicats. Alors le 49-3, vous savez, ça va pas. Ils le décident aujourd'hui, c'est pas réglé ce soir, hein. Ni lundi. Il y a encore des allers-retours. Il y aura encore des passages à l'Assemblée nationale, il y a le Sénat, il y a un certain nombre de choses à faire. La dernière fois, sur la loi de travail, il y avait eu le 49-3. Et le 49-3 sur la loi de travail, ça s'était fait. Ça avait duré quand même. Donc là, de toute façon, qu'il y ait 49-3 ou pas, que ce soit passé, ça ne nous empêchera pas de continuer à se battre contre le CPE, le contrat première embauche, à l'époque de. En 2006. 2005-2006 a été passé et pourtant on a réussi à le faire retirer, donc il y aura toujours un mouvement important et écoutez, dans les semaines qui viennent, les jours qui viennent, il y aura de nouveau des assemblées générales, par exemple à la SNCF, c'est sûr, notamment pour préparer le 31 mars parce que c'était la prochaine date de grève, ça peut être avant. Si l'ensemble des salariés du pays le décident, est-ce qu'il serait une bonne chose, ça peut être tout à fait avant, et de dire ça suffit une bonne fois pour tout. 49-3, c'est dégueulasse, 49-3, c'est dégueulasse, 49-3, c'est dégueulasse, 49-3, c'est dégueulasse. Pourquoi vous manifestez ce soir ? Donc c'est contre la réforme des retraites et en particulier le fait que le 49-3 a été utilisé. Donc ils ont dit qu'il n'y avait pas de débat, mais en fait c'est un projet de loi qui n'était pas bien pensé, le Conseil d'État l'a dit, et en plus que ça comporte les trous. Donc in fine, en fait, c'est le gouvernement qui va décider tout, c'est pas l'Assemblée et les gens élus qui vont décider réellement ce qu'il y a dans la loi. Il y a beaucoup de problèmes dans la loi. Moi je suis chercheuse au CNRS, et pour les fonctionnaires, pour les gens de l'éducation et la recherche, ça va nous affecter gravement. Et en plus je suis là parce que également, en ce moment, il y a beaucoup plus de réformes, que ce soit les réformes dans les lycées, il y a les réformes dans la recherche, dans les universités. C'est beaucoup de choses vraiment très graves. Et voilà, je suis là aussi pour défendre mon métier. Pour vous, est-ce que c'est pas un échec des manifestations, ce 49-3? Le gouvernement, il a gagné en fin de compte. C'est pas fini, voilà, la loi n'est pas complètement effective, donc il y a les prochaines choses à faire, mais j'espère effectivement qu'il va avoir un regain dans les mobilisations pour qu'effectivement on peut changer les choses, voilà. Vous pensez que la rue, elle peut encore avoir assez de poids face au gouvernement? J'espère, vraiment. Parce que je crois que vraiment, c'est une loi qui va affecter quasiment chaque personne en France. Donc je sais que les gens sont fatigués, je sais que c'est difficile de continuer d'être mobilisés. Il y a des gens qui étaient beaucoup plus mobilisés que moi. Mais vraiment, on a besoin de montrer notre détermination et dire que, voilà, on ne veut pas de cette loi. C'est clair, vous évitez une guerre civile, on dit diable, c'est clair.